Et on commence ce journal avec le LOSC qui passe la semaine au chaud dans le fauteuil de leader. Les Lillois se sont entraînés hier, vous le voyez sur ces images. Les Dogues attendent samedi de se déplacer à Arles-Avignon, le dernier du championnat de France de football, pour confirmer cette première place. Et malgré le froid hier, la bonne humeur est toujours bien présente dans le groupe. À noter deux blessés tout de même, Gervinho et Eden Hazard, qui sont restés aux soins hier. L'Ivoirien souffre d'une élongation. Quant au jeune prodige belge, il soigne une béquille reçue au quadriceps dimanche. À noter pour les supporters, selon le site internet du club, en raison des mauvaises conditions climatiques du moment, aucun entraînement ne sera ouvert au public cette semaine. Heureusement pour nous et pour vous, Aurélien Barège était hier au domaine de Luchin pour vous filmer ces images et il a recueilli les impressions de plusieurs joueurs, dont celle d'Aurélien Chedjou, qui ne croit pas que le LOSC est déjà le patron de la Ligue 1. Oh non, patron non, ce serait manquer de respect aux autres équipes. Ce serait manquer de respect au potentiel d'autres équipes, à savoir Marseille, Lyon, voire Paris aussi. Non, aujourd'hui c'est clair qu'on est bien, mais... Faut pas non plus s'enflammer, se dire que voilà, on est meilleur que telle ou telle équipe. C'est serré, comme on le dit depuis un moment que c'est super serré et ça le reste. On sait que moindre faux pas, il y a quelqu'un qui nous passera devant. Et on veut essayer d'éviter ça. Donc, comme je vous dis, on va à Arles-Avignon. C'est un endroit où on doit prendre des points. Donc, on va y aller pour ça.